Monsieur Dressy, à propos du musée de Safi, quelle est la spécificité de ce musée et quel sera son impact sur la ville de Safi et de sa région? Le musée national de la céramique de Safi, c'est un musée thématique, c'est-à-dire un musée qui essaye de donner une idée sur une thématique particulière, c'est celle de la céramique. La céramique, comme vous le savez, Safi, c'est une région réputée par ses productions céramiques. Donc, dans notre approche, on a essayé de donner à Safi cette dimension d'une ville liée à la production de la céramique, et on a intégré l'histoire de la céramique au Maroc dans son intégralité d'une manière à la fois chronologique, c'est-à-dire qui a commencé avec des objets, des artefacts qui remontent au 5e millénaire avant Jésus-Christ, passant par des productions de l'époque pré-romaine, l'époque romaine, l'époque musulmane et jusqu'à la céramique moderne actuelle. Donc ça c'est l'itinéraire chronologique, mais il y a également un autre parcours lié à cette céramique, mais d'une manière régionale, c'est-à-dire un parcours qui essaye de redresser cette carte du Maroc avec les découvertes à la fois qui proviennent des sites récents ou récemment fouillés et des artefacts qui proviennent des ateliers de production que le Maroc a connus, tels que Fès, Meknès, Tétouan, Salé, Rabat, au niveau des ateliers qui existent dans des villes, et des ateliers également qui produisent de la céramique commune ou la céramique rurale, tels que le Rif, la céramique de Temgrout, la céramique de Ouarzazate, Marrakech, la céramique du Sahara, etc. Donc ce que les artisans appelaient le harosh, de la céramique émaillée, de la céramique polychromée, de la céramique monochrome, donc tous ces types de céramiques seront visibles dans un parcours qui met en évidence, qui met en lumière la céramique et qui va contribuer certainement, pour répondre à votre question, qui va contribuer certainement à redonner une valeur artisanale à ce produit qui existe dans l'une des capitales de la céramique au Maroc. Safi est réputé par ses ateliers qui ont commencé avec la fin du 19e et début du 20e. Mais réputé également avec son apport particulier avec des ateliers de l'Ammali et ses contemporains, donc Sraghini, Al-Gharissi, etc. Donc toute une liste d'artisans qui proviennent de Safi qui ont rajouté, qui ont rénové, qui ont intégré d'autres types de production à cette céramique marocaine, à ce substrat qui existait déjà, qui ont permis de retraiter ou de retravailler la céramique en s'inspirant du signe, du symbole, du tapis, etc., comme vous avez voir sur les productions qui sont exposées. C'est une ville où il y avait des ateliers qui ont reçu à la fois des artisans français, des artisans espagnols et d'autres artisans. Et donc chaque atelier a permis d'intégrer des éléments récents. Tout ça a été marié au fond et au substrat originaire qui venait de Fès et au substrat local marocain. Donc en gros, Ça va être une véritable visite qui va permettre aux Marocains de redécouvrir la céramique. Ils connaissaient un peu la céramique monochrome ou la céramique bleue de Fès, mais là, ils vont avoir un regard global sur toute la production céramique marocaine. Donc la fondation des musées
dont elle a actuellement à sa charge, depuis qu'il a pris les rênes, elle a à sa charge 14 musées nationaux. Donc vous procédez à la restauration par priorité ou bien à travers les partenaires que vous trouvez? Donc comment ça se passe? Alors, je pense que dans sa politique, la Fondation nationale a suivi les directives du président de la Fondation, qui a lancé d'abord l'opération de la restauration du musée de Tanger comme ville-port, comme ville de passage. Donc il fallait entamer le travail au sein de cette ville. Après, on a fait le musée de Rabat, le musée de l'histoire et des civilisations, parce que c'était le résultat d'un travail qui a été déjà entamé, et c'était aussi la conjoncture qui a fait qu'on a réussi à faire le musée de Rabat avec des objets extraordinaires qui ont été restaurés lors de leur déplacement pour l'exposition qui a été organisée au Muséum et à Paris. Et donc, ça permet également de creuser dans le fond et dans les réserves du musée pour faire extraire les objets les plus intéressants. Et on a dit que ça sera intéressant de faire tout de suite le musée d'archéologie de Rabat. Après, bien évidemment, avec les partenariats que la Fondation a lancés, il est en train de faire un certain nombre de musées. Donc là, on s'est orienté vers la région de Marrakech, Safi. Donc on a restauré le palais de Dar el-Bacha, on est en train de restaurer le palais de Dar Sisaïd, et on a fait le musée de Safi, donc dans la même région. Donc dans quelques jours, le musée de Safi sera inauguré. Dans quelques jours ou quelques semaines, on va inaugurer également le musée de Dar el-Bacha, musée des confluences, et au même moment, on va inaugurer aussi le musée de Dar Sisaïd. Donc, c'est une politique qui vise à s'intéresser à la totalité de la carte muséologique du Maroc, mais d'une manière organisée, c'est-à-dire on va s'intéresser à la région de Marrakech, Issafi, donc pour remplir le vide, pour reprendre les musées qui étaient en mauvais état, pour donner une nouvelle thématique, pour relooker les musées, faire extraire les points forts de chaque collection. Après, bien évidemment, on va s'orienter vers Fès Meknès, où on est en train de faire un travail en même temps. On est en train de restaurer... Ce sera les futurs projets. Exactement, c'est des futurs projets, mais des projets qui sont en cours de réalisation. Donc, le musée de Fès est en train d'être restauré. Le musée de Meknès est en train de Dar el-Jemaïl est en train d'être restauré. Donc, juste après ces musées, on va s'attaquer à la scénographie dans ces musées. Donc, les choses sont déjà définies. Et après, bien évidemment, on va aller vers les musées de Tétouan, où on a un musée ethnographique et un musée archéologique qui mérite aussi notre attention. Donc, la Fondation, comme ce que je disais, a une politique qui a été tracé à une stratégie déjà définie. Et ceci dit, qu'on s'intéresse aussi au musée de l'Aïoun qui est actuellement fermé. On est en train de réfléchir également pour la création d'autres musées avec des partenaires, parce que le but, c'est d'essayer d'intégrer le filum local dans chaque action. Sinon, les actions ne seront pas pérennes. Donc actuellement, pour le musée de Safi, on a signé un partenariat avec l'OCP qui est sur place. On a signé également des partenariats avec les collectivités locales. Ça sera la même chose pour les musées de Marrakech et pour les musées de Fès et de Meknès.